Allez, salut à tous et bienvenue dans ce deuxième épisode sur Beasts of Prey. Alors, je pense qu'on va faire cet épisode assez court, puisque, bon, bah, par manque de temps aussi, mais je vais essayer quand même de vous montrer un maximum de contenu. Je me suis fait pourchasser par des bestioles, et là je suis sur le chemin du retour pour rejoindre mon campement. Que j'avais mis sur le haut de une espèce de petite montagne, un petit monticule avec des maisons, enfin avec une petite cabane et tout mon matos. Alors, je sais pas où je suis ici, mais je sais que c'est par là que je dois aller. Donc voilà. Donc on trace la route. On essaie quand même de regarder à gauche, à droite pour voir si on n'est pas suivi. Si je récupère, enfin si je vois du matos par terre, je le récupère, hein. Pensez bien qu'on en a besoin. On va essayer de se fabriquer une fournaise, histoire de traiter toute la caillasse qu'on possède. Voilà, j'ai. Putain, en fait, on est loin, hein. Je pense qu'on est vachement loin de notre campement. Si vous vous rappelez bien dans l'épisode précédent, on est mort à cause des fameux indigènes indigestes. Et bon ben voilà, pas trop le choix, on doit continuer notre aventure, hein, c'est. Il n'y a pas le choix. Et on monte la montagne. Bon, la montagne qui est assez haute. Alors, est-ce qu'il n'y a pas de. Non, il n'y a pas de matos. Alors, je voudrais récupérer de la caillasse, c'est un truc que je vais avoir besoin. Regardez la grosse montagne là-haut. Si on peut se taper une montagne comme ça. Ce serait pas mal. Alors, faire attention qu'on se casse pas les dents, parce que bon bah une chute c'est toujours assez. Ça peut nous être fatal, ou on peut perdre de la vie bêtement, c'est comme ça. C'est pas un jeu où on saute d'une montagne à l'aise et on n'a rien. Hein. Sur certains jeux, ça arrive encore de. Ah, pas plus tard qu'hier, j'ai encore joué à Tug, TUG, hein, pour ceux qui connaissent. C'est aussi un jeu de survie un peu style cartoon comme ça, mais assez joli je dois dire. Donc j'avais même pensé à faire un petit let's play dessus, histoire de vous montrer un peu le jeu. D'ailleurs si ça vous intéresse, j'en ferai un, hein. Mettez ça dans les commentaires, le genre de let's play que vous voulez. Je m'arrangerai pour faire une petite vidéo dessus, si vraiment vous le voulez, hein, vous le souhaitez. Mais si pas, je laisserai ça de côté quoi. Voilà. Donc Tug, le jeu, et on sautait du haut d'une montagne et on atterrissait, on n'avait rien, quoi. On mourait même pas. Voilà, c'était un peu. un peu n'importe quoi. Voilà. Bon, allez, je continue ma course vers. Qu'est-ce que je disais, moi? Vers ma cabane. Je parviens plus à me rappeler de ce que j'allais dire. Enfin, donc objectif pour l'instant, c'est tracer vers la cabane et quand même essayer de récupérer un peu de caillasse en chemin. Donc là, il y en a deux même. Et on va essayer de récupérer tout ça. Vous voyez que ma stamina, enfin mon endurance, n'est pas au top. Apparemment, on peut améliorer ça. Hein. Donc, je vous l'ai montré dans les trucs là. Alors, j'ai gagné 5 XP. C'est bien, on peut trouver des petits cailloux comme ça, c'est pas mal. Donc, l'endurance, on peut améliorer. Hein. Regardez, on va sur character là, gathering, et alors si on va avec le menu déroulant vers le bas. On a survival, on a crafting. Alors stamina, stamina, stamina. Ok, on peut pas encore.
Voilà, donc là on est vraiment au tout début de l'aventure. Hein, on essaie quand même de s'équiper un minimum. Et comme le jeu est assez hardcore, hein, au niveau des dinosaures et tout, on doit quand même faire attention à ne pas se prendre des T-Rex sur le coin de la gueule, parce que sinon on risque pas de se relever, quoi. Alors, on peut pas taper tout ça. Est-ce qu'on peut taper ça? Est-ce que c'est du bambou? Bien sûr que non, c'est du bois. M'aurait étonné qu'il fasse une deuxième ressource parallèle au bois. Mais bon, c'est pas trop grave, hein, on va dire que. Punaise, je suis quand même loin du camp, hein. C'est quoi ça? Oh putain! Un tricératops. Ou un. Je sais pas comment on appelle ça. Un tripassa. Oh, c'est une famille en plus, tiens. Le père et la mère. On va essayer de les éviter. Et ils sont très brillants, hein. Ils viennent de passer au carwash. On trace, on les évite. J'ai pas envie de me prendre un tricératops sur la tronche. Hein, surtout que. Bon bah c'est quand même un des bestiaux les plus redoutables dans le monde jurassique, on va dire. Hein, on pourrait le comparer à notre. Je pense que c'est le descendant du rhinocéros. Ouais. Qui est d'ailleurs aussi un bestiau assez redoutable. Hein, faut surtout pas se friter avec. Hormis si vous avez quelques bâtons de dynamite à lui flanquer sur le coin de la tronche. Vaut ne pas se friter avec ces bestiaux. Je sais pas où ils sont maintenant. Ils se sont barrés? Je sais pas où ils sont. Ah, c'est pas grave, on va continuer notre route. Allez, regardez ça. Je vous avais dit que la map était grande. Voilà, vous avez la preuve que ça fait quand même déjà, je sais pas combien de temps. Ouais, ça fait quand même déjà bon 5 minutes, voire même 6, que je cours tout droit. Et je ne suis pas encore arrivé à mon campement. Alors j'aimerais bien savoir où je pourrais. Oh putain! Allez, cours, 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 cours! Nom de Dieu, il m'a fait peur ce con. Donc l'avantage, enfin je sais pas, hein. Heureusement que l'IA est un peu conne. Hein. Ici, vous voyez, je peux m'en courir. Et il va pas m'attaquer. Par contre, si je reste sur place, il va m'attaquer. Hein. Ça, c'est inévitable. Donc là, je vais quand même tenter de tracer jusque chez moi, là. Et en passant. Ah, je reconnais ça ici, tiens. Ça, je reconnais ici. Voilà. Donc, j'aimerais bien récupérer ce morceau de caillasse. Oh, nom de Dieu. Il m'a foutu la trouille, ce con. J'entendais du bruit, mais je savais pas de où, mais. Là. Allez, on trace, on trace, on trace. Vite. Ah, il y a une espèce de. Ah, il continue de me suivre, hein, le bougre. Je pense pas qu'on va en être quitte de sitôt. Ouais.
Ah, je suis mal barré là, j'ai plus de stamina ni rien. Honnêtement, je sais pas comment je vais m'en sortir. Merde. Je voyais plus le flag où était pour montrer où était mon campement. Allez, il faut que je trace la route là. Merde, j'ai plus d'endurance. Connerie. Bon, faut que je descende par ici, hein. Pas le choix. Oh putain, non, 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 non! Putain. Vite, des bandages. Vite, appuyons sur les bandages pour récupérer quand même du matos. Ils ont pas l'air d'avoir suivi. Ok. Je dois contourner le machin ici. Bon, je vais passer par là. Allez, hop. Oh. Putain, j'ai glissé en bas le... Je pensais que j'allais pouvoir descendre en escalier là, mais... Oh, punaise. Allez, on continue. Bon, j'ai pas l'air d'être suivi là. C'est tout bon pour moi. Je pense que c'est nickel, hein. On n'est plus suivi de nulle part. Oh, c'est pas vrai quoi, putain. Décidément. Les dinos sont de sortie aujourd'hui. Alors, je vais quand même regarder du côté gauche, côté droite. Pour voir s'il n'y a pas de ressources. Hein, de la pierre. Hein, c'est ce qu'on a besoin. Hein. On a besoin d'un maximum de pierre, mais là pour l'instant. Ah, j'en vois un là-bas. Tiens, tout droit. Vous voyez le truc brillant là? C'est de la pierre. Voilà. Dès qu'on a de la pierre, on va pouvoir se faire du four. un four afin de traiter tout ce qui est métaux et autres. Et bon, bah, ça va quand même nous aider dans nos... Oh, le feu est encore allumé, excellent. Excellent. En espérant qu'on n'ait pas de méchants. Hein. Oh, regardez les ankylosaures, voilà. Merci à Legoman encore une fois pour m'avoir mis sur le droit chemin des noms de dinosaures. allez, on va entrer dans notre campement. Hop. Ah, par contre, question luminosité, c'est très lumineux. Hein. Voilà, on va un peu se healer grâce à notre feu de camp. Tiens, tout ce qu'on a récupéré là, je vais le mettre dans mon inventaire. Oh, j'ai trouvé du iron ore, tiens. Excellent. Alors, voyons voir. Crafting. La fournaise. Il nous faut du matos pour la fournaise. Cage. Une cage. Ouais, j'ai. À quoi ça sert la cage? Ah, furnace. Il nous faut quoi? 18! Oh là là. Attendez, je viens d'avoir une idée là. Attendez. Merde. Hop.
Je vais essayer un truc, hein. Je vous garantis pas que ça va fonctionner, mais je vais essayer. Non, apparemment ça va pas. Non, ça va pas. Donc il nous faut vraiment une fournaise pour cuire les métaux, hein. C'est inévitable. Donc je vais mettre ça là, hop, et ça je vais mettre ici, voilà. Je pense que c'est bon. Alors, qu'est-ce qu'on peut fabriquer d'autre? Donc j'ai 15 wooden planks. Est-ce qu'on peut se fabriquer une palissade? Il faut des wood logs, d'accord. Ah, vraiment histoire d'être bien à notre aise. Alors ça je vais fermer, hop, comme ça je suis à mon aise. Alors, pickaxe. Ouais, lingot d'or et ouais, j'ai pas tout ça, hein. Honnêtement. Ils nous demandent des trucs qui sont... regarde, on peut même fabriquer des pistolets. Pardon, des pistolets. Une tente. C'est moi où j'entends du bruit. Oh là là. Ne me dites pas qu'ils ont remarqué notre arrivée ici, hein. Ah, on peut passer à travers le... Ok, c'est cool ça. Enfin, c'est cool. Oh merde! Putain, attendez. Ah, mais c'est des trucs qui n'ont pas l'air très méchants. Attendez. On va essayer de se les faire, hein. Je garantis pas que ça va fonctionner. Ah ouais, ça attaque. Ça attaque, mais ça va. Allez. Ça va nous faire de la viande. Et peut-être même... Alors je vais essayer de rester autour du truc histoire de gagner de la vie. Hein? Oh putain, ils m'attaquent tous! Bande d'enculistes. Allez, viens ici. Ah ouais, ils sont dangereux, hein, ils sont dangereux. Oh putain, c'est quoi ça? Ouah, connerie. Oh, on se taille. Aide-moi, please, aide me. Help me. Ah, ils sont dangereux, hein. Ils sont dangereux. Bon, je vais les calmer un peu. Bon, peut-être pas. Allez, brûle-toi. Crame-toi la tronche. Merde. Où il est l'autre là? Au. Aïe, mais ils font mal, hein, c'est con. Oh, il est mort, il est mort, il est mort. Excellent,
Excellent. Ouais, mais il a rien en fait. Je peux rien récupérer sur lui. Ouais, c'est quoi l'enroule là en fait? Merci, dinosaure. Excellent, excellent. Donc, petit combat, on vient. Il y a quand même eu un peu d'action là. Je vais peut-être faire, de cet animal mon animal de compagnie. Hein? S'il veut bien, du moins. Hein, monsieur? Vous voulez bien? non, je vais pas déconner. Hein. Franchement, t'as vu le bestiau, quoi? En plus, si ça lâche un étron, à mon avis, je risque de me noyer dedans, quoi. Vous voyez bien ce que je veux dire? Alors, donc voilà, on va conclure cet épisode maintenant. Hein, on est arrivé au camp, on a un peu bourlingué dans les alentours. Hein, on a quand même traversé, on a fait pas mal de chemin. Regardez ça, c'est magnifique ce dinosaure là. Bon, je suis pas trop fan des trucs jurassiques et tout, hein, mais franchement, quand on voit ça de près, c'est vrai que c'est impressionnant, hein, et dire que ça a existé sur notre terre, hein, c'est magnifique. Donc voilà, je pense que cet épisode assez court va s'arrêter ici, hein, épisode 2. On a récupéré du matos, hein, on a tué, enfin, il a tué. M'a aidé à tuer le bestiau. Ben qu'est-ce qui se passe là? Ok. Donc voilà. Voilà. Donc ça veut dire que on va conclure cet épisode ici. Et on se retrouve dans l'épisode numéro 3. Donc ce sera probablement ben, récupérer de la caillasse, faire un four. Se fabriquer notre première vraie arme ou notre pioche pour récupérer encore plus de métal et puis récupérer encore plus de matos pour enfin se fabriquer ce qu'on souhaite. Donc sur ce, je vous dis à bientôt pour un prochain épisode. Allez, bisous, ciao!